d'année, on picore comme ça un peu. On est trois à programmer, donc on picore et on n'est jamais sûr que l'ensemble fera quelque chose qui est intéressant. Ça, on n'est toujours pas sûr. On n'est pas sûr jusqu'au dernier jour. Mais en même temps, que ça fasse quelque chose qui soit éclectique mais homogène. On s'appuie sur des individualités et chacun a sa tâche ou sa partie dont il est responsable. Et c'est parce qu'on est très différents qu'on arrive à avoir cette bonne ambiance, je crois. J'aimerais pas, à la fin de la 7e édition, qu'on dise « ouais, c'était bien, c'était comme les autres années ». J'ai envie que ça surprenne et puis surtout, j'espère qu'on apporte un peu de rêve. Bon, alors, on te le dit fermement, tu oublies tous les beaux projets que tu avais. Tu téléphones à un ami à toi bien placé qui pourra t'accueillir. Tu plies bagages, tu plies boutique. Tu utilises une dernière fois tes passe-droits habituels pour trouver les véhicules nécessaires. N'oublie pas de prendre un peu d'argent de poche. Il y a des chances pour que tes avoirs que tu avais planqués bien au chaud un peu partout dans le monde ressentent comme un subit coup de froid. C'est fait ? Bien. Alors maintenant, pars. Tire-toi, circule, vide les lieux. Bon voyage, bon vent, en voiture Simone, change de crèmerie, de paroisse, déguerpit, décampe, défourrage, décart, déménage, décanille, dévisse, décolle, bref, en un mot, en une phrase, dégage! Pensez-vous du mot de l'année, dégage ? On pouvait pas faire mieux, on pouvait pas être plus direct, on pouvait pas être plus franc. C'est un très joli mot. Il a été utilisé lors des révoltes du Maghreb de façon très belle, je trouve. Ça évoque les immigrés qu'on est en train d'expulser, les Roms, etc. C'est tout le monde, hop. Dégage, je le vois plus en verlang HD. On me l'a déjà dit assez, dégage, alors dans ma jeunesse, là, c'est pour la peine de continuer. C'est beau. Et c'est un bon mot, ça veut dire que ça va. Il est temps d'y aller, vous pensez ? Ah oui, il est temps, oui. Le principe, c'est d'arriver à raconter une histoire avec nous, nous sommes trois acteurs professionnels, et du public, des gens du public que je sollicite pour participer, pour interpréter certains personnages, et d'arriver ensemble à raconter l'histoire. Auprès de six arbres ! Oui, auprès de six arbres ! C'est pour cela que depuis peu il s'est... Non, tu parles pour toi, là. Ah, au micro, bah d'accord, ok, c'est pour... C'est pour cela que depuis peu il s'est venu manger contre moi. J'avais bon nez, sans doute, et son voisinage... Je cherche déjà à les guider sur le texte et à essayer de conserver une intensité. C'est une lecture, mais je crois que la lecture, elle peut être aussi vivante et incarnée, avec des amorces de jeu et d'interprétation, avec le texte qui défile. C'est un peu une sorte d'entre-deux. Vous ne devez pas dire ma femme quand vous parlez de notre fille. Change âge. Comment, ma femme n'est pas ma femme? Oui, mon gendre, elle est votre femme. Mais il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi, et c'est tout ce que vous pourriez faire si vous aviez épousé une de vos pareilles. D'une certaine façon, ça nous réunit. Parce que si on était plus dans l'interprétation, évidemment, il y a un fossé qui se creuserait. À partir du moment où on reste dans la lecture, même si c'est une lecture vivante et incarnée, pour notre part, le fait que ce soit lu, ça nous lie avec les gens du public. Ce qui m'a
l'intéresse, c'est de lui donner une troisième dimension. Un mot, habituellement, c'est un concept, c'est une désignation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de lui donner une forme, une matière, une couleur, un certain rapport à l'espace. Je reviens cette année avec Horizon. L'idée, c'est de trouver des lieux suffisamment stratégiques dans la ville, importants par rapport à l'organisation aussi du festival. Et puis après, aidé de nombreux comparses, je construis, je monte, j'essaye. Ça a l'énorme avantage de pouvoir presque sculpter en situation. C'est un mot auquel je suis attaché, et le fait que ce soit comme une ligne presque immatérielle, presque une géométrie parfaite dans un ensemble où tout va, je veux dire, les arbres partent dans des directions. Là, on a une ligne parfaite, et j'ai gardé une certaine fascination pour ce trait qu'on trouve dans la nature. J'ai choisi le mot horizon par rapport à cette attraction.